c'est Rosalys. Aujourd'hui, je vais vous réaliser un cocoa French toast. Et comme au Japon, j'ai un toaster, et bien je vais le cuire au toaster. C'est parti! Donc les ingrédients de cette recette, choc pain, du pain de mie coupé en 6 tranches, qu'on peut trouver au combini, du lait écrémé, et moi je l'ai choisi de Hokkaido, du cacao pur, moi j'aime le chocolat bien fort, mais si c'est trop pour vous, prenez du chocolat au lait ou ajoutez du sucre, des œufs crus, je précise parce qu'il y a souvent des œufs mi-cuits ou des œufs durs ou même du jitsuke tamago, et du beurre, moi j'ai choisi un beurre premium au lait de Hokkaido. C'est parti pour la préparation. Donc une tranche de choc pain que je vais couper en forme de cœur parce que ce sera une petite recette pour la Saint-Valentin. Et voilà mon petit cœur en pain de mie. Voilà, et les chutes, on va les garder pour une prochaine recette. Alors, il faudra un œuf. Vous remarquerez la blancheur de la coquille des œufs japonais. Et maintenant, on va battre jusqu'à ce que ce soit bien mousseux. Normalement en France j'ai un robot pour battre, mais là c'est à l'huile de coude. Et maintenant 100 ml de lait. Une bonne cuillère à soupe de cacao. Et on va mélanger d'abord délicatement pour que le cacao ne s'envole pas. Maintenant, on va faire bien incorporer. Et voilà. Maintenant, on va venir tremper le pain dans la préparation. On va le retourner aussi. Voilà, et maintenant on va attendre que ça imbibe pendant 10 minutes. Pendant ce temps, on va préparer la décoration. On va couper des petits cœurs avec des fraises de Kumamoto. Juste pour vous montrer, les fraises de Kumamoto sont des fraises à chair blanche. C'est très marrant. Et voilà pour un petit cœur. On va continuer comme ça. On va aussi faire des petits cœurs blancs en profitant de la couleur de la chair de la fraise. Et voilà pour la décoration en fraise. Maintenant, on va préparer le récipient du toaster. Attention, c'est bien écrit ici qu'il ne faut pas poser directement ses aliments. Donc il faut mettre du papier sulfurisé ou du papier aluminium. C'est ce que je vais faire. Et voilà. Ah, ça y est. Finalement, j'ai plutôt laissé reposer 20 minutes. Maintenant, on va le poser sur le plat. Et on va le toaster pendant 3 minutes. Au passage, Zoojirushi, c'est une très bonne marque d'électroménager. C'est aussi ma marque de pizzerie. Oh, ça y est! Tada! Et voilà,
quoi ça ressemble à la sortie du toaster. La petite touche gourmande, c'est une noix de beurre, tant que c'est chaud. On finalise avec la déco. Tada! Et voici le plat terminé. Comme vous le voyez, c'est super simple. Normalement, le French toast, c'est revenu à la poêle, mais moi, je voulais saisir l'occasion d'utiliser le toaster japonais. Également, qu'est-ce que le French toast? Ça ressemble au pain perdu en France, sauf que le pain perdu, par définition, on utilise du pain rassis, alors qu'ici, au Japon, on utilise du bon pain frais. Moi, ce que j'aime surtout, c'est le prendre bien moelleux. Comme ça, le cœur est vraiment moelleux et fondant, et le tour est légèrement craquant. En plus d'être très chocolaté, et avec la fraise, ça ne sera que meilleur. Et maintenant, on va déguster ça. Ça a l'air délicieux. C'est vraiment fondant à l'intérieur, avec une petite texture craquelée de chocolat à l'extérieur et avec le beurre fondu au lait de Hokkaido. C'est vraiment une tuerie. La dernière bouchée. C'était délicieux. Et voilà pour cette recette super facile. Si je devais lui mettre une note, je mettrais 90 sur 100. C'est vraiment fondant, c'est léger, ça passe tout seul. Ça a vraiment tout du French toast avec la saveur du cacao en plus. Vraiment, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à essayer. Comme il y a peu d'ingrédients, choisissez-les de bonne qualité avec des ingrédients japonais si vous avez ou des ingrédients d'ailleurs. Voilà, bye bye! Un petit cœur au chocolat pour la Saint-Valentin, j'appelle mon chéri. Hein, tu fais la dégustation maintenant? Ah, c'est vrai? Mais je savais pas. Bah, je sais pas, c'est bon comme c'est chaud. Mais ou alors moi, je mange toute seule? Je mange toute seule et je t'en fais un autre? Oui, tu m'en feras un autre parce que moi je mange le salé d'abord.